Salut loup, salut poulet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier avec JM, avec Momo, les deux ancêtres de la team. Ouais. Ça va Momo? Oui. JM. C'est super, nickel. Content d'être parmi nous. Le beau soleil, le beau temps. Le printemps. Voilà. Demain c'est l'ouverture. Demain c'est l'ouverture. Alors aujourd'hui, on va essayer, j'ai bien dit on va essayer, de faire une vidéo un peu spéciale. Pour certains d'entre vous qui ont vu la vidéo de la truite de 63 cm que j'ai pêchée il y a quinzaine de jours, je crois, la vidéo est sur la chaîne. Cette truite, je l'ai relâchée. Et cette truite, moi, je la vois souvent, elle est toujours sur le même spot, c'est-à-dire devant chez moi. Parce que je ne suis pas allé. Parce que sinon, Momo, ben, il aurait déjà mangé. Elle est toujours là. Alors moi, quand je pêche souvent au feeder, je pêche sur ce spot. J'essaye de pêcher les carpes sur ce spot. Mais tu n'y es pas allé parce que tu es confiné, tu comprends? Eh, ouais, eh oui, il n'y a pas 10 km là. Ouais, hein. ça fait rire. Il est con. Je suis confiné surtout. Confiné. Bon, elle se coupe plus. Je ne sais même plus où j'en étais. Donc ouais, je pêche la carpe sur ce spot. Et cette truite, ça fait une quinzaine de jours que je la vois. Elle est exactement au même endroit. Alors de temps en temps, je balance un peu des maïs, je m'amuse et je la nourris. Ben, elle est prenable n'importe quand. Voilà. Elle mange. Alors je me suis dit, demain c'est l'ouverture, elle va pas faire un quart d'heure. Ah, au première cuillère qui passe, au premier n'importe quoi, première heure, elle y a droit. Alors on s'est dit, ici on l'a sauvé cette truite. Et on va essayer d'aller chercher ce poisson. Ouais. Et de le mettre chez Momo. Oui, dans la petite rivière qui longe le pré. Qui est remplie de chevennes. On va essayer de la mettre avec les chevennes chez Momo. Tu veux la mettre à la cabane à Momo, quoi. Derrière la cabane à Momo. On va essayer de la faire, et non, c'est pas on. C'est lui. JM va essayer de la faire. Il vient d'arriver chez nous. Grave de la pression. Ah, tiens la pression. Hein. Oui, là j'ai la pression. Faut pas qu'elle engame. Faut pas qu'elle engame. Faut pas la décrocher. Faut pas la décrocher. Et d'abord, il faudrait, avant tout ça, il faudrait déjà la prendre. Il faut la prendre. Faut qu'elle y soit, qu'elle morde. Voilà. Normalement, normalement, elle doit y être. Ça fait 15 jours qu'elle est au même endroit. J'espère que personne n'est passé devant nous. On va y aller. Et ben, on se retrouve au bord de l'eau. Bien sûr. Allez, à de suite. Allez, on y va. Bon, la truite est toujours là, ça doit faire au moins 15 jours qu'elle est là. Alors Momo, il est prêt. Je suis prêt, je suis chaud. Hein. Il est chaud patate. Allez, JM, c'est à toi de jouer, on y va, on croise les doigts. Laisse dériver. Elle a pris, JM, elle a pris. Faire. Yeah! Le frein, j'ai mis trop serré peut-être. Ça va? Ouais, ça va. Yeah! C'est piqué! Ah, c'est un truc de ouf! Ouais, ça déroule! Ah, elle est magnifique! Laissez un peu, hein. J'ai peut-être trop serré le frein, j'ai mis, je sais pas, vise. Hein. Momo, tu es prêt? Je suis prêt. Oh, ce combat de fou en de là. Momo, prépare-toi. Ouais. Bah, elle a pris du premier coup, hein. C'est au top. Elle y met devant au cou. Ouais. Ah, ça fait des combats de nid, hein. Momo. Ouais. Fais gaffe, elle va pas y aller de suite, je pense. Ouais, elle va avoir peur. Il vaut mieux que tu la fasses revenir. Comme ça. Comme elle est déroulée. Oh non là. Pas de cheveux de volée. Momo, tu la mangerais pas celle-là? Oh putain, il y en a pour 10. Voilà. Ouais, elle est pas encore rendue, hein, JM. C'est pas rendue, hein. Ah, elle va y arriver. Elle va fatiguer. Oh ça. Oula, le tour, là. Pouh. Elle est venue dans le fond. Elle nous voit là. On va surtout le bord arriver. Alors ça. Calme-toi, oh. Oh le rush qu'il a pris. C'est le rush de la fête. Voilà, je crois que c'est le rush de la fête là. Momo, prépare-toi. C'est pas sûr, je suis prêt. Ah c'est bon là. Allez, j'aime, vas-y, ramène. Oh, c'est pas. Si. Elle a vu les puissettes. Ah, elle a vu les puissettes, ouais. Qu'elle ne sorte pas de l'eau, hein. Mais non, mais elle ne sorte pas de l'eau. Qu'est-ce que tu dis, là?
Ah mais j'aime, oh, elle est magnifique, voilà. Elle est magnifique. Ah, laisse-la venir, laisse-la venir. Voilà. Yeah, bien joué. Laisse-la dans l'eau. Voilà. Ouais, ça, bien joué mon pote. Yeah. Voilà, vous la voyez pas, mais ça y est, elle est calée dans son trou, là, tranquille. Voilà. Voilà, le niveau est quand même assez bas, mais bon, la plupart du temps, beaucoup plus haut. Mais là, voilà, elle est à contre-courant, tranquille, elle nage. Voilà, elle a une sacrée histoire, cette truite. Bon, mission accomplie, j'aime. Eh bien, je... C'était comment? Oh, il a eu chaud. Hein. C'était épique. Ah, c'est des combats de fous ces poissons. Ça y est, ben, elle nage, vous l'avez vu, elle nage dans le ruisseau, tranquille. Alors, ouais. Elle va se nourrir de quoi? De petits chevennes peut-être? Petits chevennes, hein, puis moi je vais m'en occuper. Ouais, Momo, ça va devenir la truite à Momo en fait. Ouais. Bon, t'as passé un bon moment? Ah, franchement extraordinaire, super combat, un rush phénoménal. Bon, il a fallu tout y préparer, hein. La canne, j'ai lui mis la pas. Oui, on se demande qui... Oui, tu es l'invité, oui. C'est voilà, ça que tu allais me dire. Je suis un peu invité quand même. Je suis un petit peu invité. Mais Momo et moi, ça nous a fait plaisir, à Momo et moi, de te procurer ce moment qui était bien sympa, puis nous s'est régalé. Oui, ouais, bon, oui, bien sûr. Super. Oui. Bon, enfin, y a eu, l'épuiseur, il a été super bon. Un coup de salabre magique. Magique. Oh, magique. Je dirais même mieux magique. Bon allez loulou, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ciao. Bye. C'est pas si beau ça. Ah bon ça. C'est excellent. Oh, ça canarde, oh! C'est tac, topé là.